fait 10 points à Patrick Chan, ça le met à 190. On va en donner 10 à Pouchenko, ça le met à 170. Ça fait quand même encore 20 points d'écart. Allez, on retrouve les tenants du titre maintenant. Nathalie Péchala, Fabian Bourza, les Français, sur leur medley de samba. Allez. Ah bah, ils savent ce qu'il reste à faire. C'est pas la concurrence de la finale de Grand Prix, ni du championnat du monde, mais il y a quand même des choses à aller chercher, surtout un titre à reconquérir. Il faut pas le lâcher. Toujours parfait, évidemment, dans la présentation. Comme d'habitude. Il y a eux et le reste du monde, on les suit. Parfait. Bon. Ah ben c'est parfait. Première c'est étape parfait. Franchie. Ah ouais, ouais. L'énergie, le rythme, la fluidité, tout y était. Une précision véritablement exceptionnelle, un équilibre et un dynamisme prodigieux. Donc bref, du très 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 grand Péchala Bourza ce soir pour la première étape en vue du titre européen ici à Sheffield. Ils ont dit qu'en partant aux États-Unis, ils avaient gagné en fiabilité. En fait, ils s'entraînaient encore plus. C'est ce que leur demandait leur coach, Krylova Carmelingo. Ils ne s'attendaient pas forcément à ça. Et finalement, ils travaillent un petit peu plus. Ouais, pourtant, ils ne chômaient pas en Russie. Ils pas chômé, non. Ce n'est pas le même type de travail. Ça, ouais, voilà. En Russie, ils ont appris les bases, c'est-à-dire la technique de glisse, la technique de pas. La rigueur. Et aux États-Unis, ils travaillent plus individuellement, plus dans le détail, plus dans la précision, plus dans la mise au point du geste en commun, du geste dialogué. C'est pas du tout le même travail qu'ils firent en Russie. Alors, ils ont besoin d'une note de 65,07 pour prendre la tête de cette compétition. On aura des vraies questions à se poser s'ils l'ont pas.
Non, mais là, ils ont plus. Ils dominent, mais ils dominent, mais de la tête des épaules. Je veux dire, eux aussi, éblouissantes. Et compte tenu de l'écart qu'ils avaient en leur faveur par rapport au couple russe, donc on imagine assez qu'ils vont créer une grosse différence en termes de score. Ouais, puis ne serait-ce que sur les composantes aussi, quand on voit le travail, ça devrait être récompensé quelque part sur les composantes, sur la présentation. Sont les seuls à être véritablement, en tout cas dans le thème de la samba, c'est évident. Et dans la danse, et puis même dans le choix du costume, dans le tout y dans est. La tenue, quoi. Tout y est. Dans les cheveux gaufrés aussi. C'est le sens du détail jusqu'au bout avec Angelika Krylova. Les Français, on les écoute, peut-être qu'ils vont dire un petit mot. Ah, ils ont été franchement éblouissants. Et vous remarquerez qu'apparemment la communication se fait moins bien avec Angelika qu'elle ne se fait avec Pasquale, mais c'est très simple. Derrière les Russes, qu'est-ce que ils avaient besoin de 65-07, ils sont à 64-89. Alors là, j'avoue franchement ma circonspection, pour ne pas dire l'interrogation profonde jusqu'à le sentiment d'injustice.